Février 1915. Cher journal, voilà un peu plus d'une semaine que j'ai débuté mes leçons à l'Institut Pasteur de Bordeaux. J'ai longuement hésité avant de m'y inscrire, mais maman est très fière que je fasse ma Croix-Rouge. Moi-même, je suis heureuse de me trouver ici et d'être, enfin, un peu utile à mon pays. Le jour de la rentrée, le discours de notre directeur, ce cher docteur Fromager, m'a enthousiasmée au plus haut point. J'aurais aimé en partager ici quelques souvenirs. Ce que j'aurais aussi aimé, c'est me découvrir cette vocation d'une toute autre manière. Tout de même, me voilà finalement à ma place, moi qui me suis tant cherchée, pendant si longtemps, entre les quatre murs de l'appartement. Juin 1915. J'ai débuté aujourd'hui en tant qu'infirmière stagiaire et mon quotidien peut se résumer en trois mots. Assister, préparer, penser. Assister les docteurs, préparer les salles d'opération, penser les malades. Des malades qui nous arrivent du front par train sanitaire. Parfois, il faut aller les accueillir en gare. Lorsque ce n'est pas le cas, c'est dans la cour ensoleillée que nous attendons nos blessés. C'est l'occasion d'imaginer le pire. La pression est parfois telle qu'un rire général nous prend. Malgré les regards de l'infirmière-major, nous ne pouvons le contrôler. Septembre 1915. Aujourd'hui, je me sens seule. Mes sœurs et maman me manquent terriblement. Heureusement, il y a Louise. Nous partageons la même chambre. De 4 ans mon aînée, Louise m'impressionne. Le soir, les cheveux détachés, elle me confie ses histoires d'amour d'avant-guerre et me raconte qu'elle ne souhaite jamais se marier. Souvent, je ne sais que répondre et mime l'endormissement. En vérité, je passe des heures à rêver à une vie comme la sienne. Janvier 1916. Je ne sais plus comment contenir en moi la peur, le désespoir, la fatigue, le dégoût, le calvaire de cette guerre qui semble ne plus vouloir en finir. Le matin, je me réveille et me persuade d'un cauchemar. Mais je me lève, me toilette tant bien que mal, n'ose pas me regarder dans la petite glace, revêt mon uniforme, rarement impeccable, et le cauchemar n'en est pas un. Mai 1916. Voilà plus d'un an que je suis devenue infirmière et me voilà désormais titulaire. La guerre dure, le temps s'étire, semble parfois s'être arrêté. Je profite d'un instant de repos, assise au soleil et entourée de mes amis, pour écrire un peu. Même dans ces temps-là, calme et heureux, la peur ne quitte pas mon ventre. Bien sûr, je suis prête à accueillir de nouveaux corps abîmés, malades, déchirés, épuisés et aux membres broyés. Il y a encore un an, je n'avais jamais vu d'hommes nus. Et voici qu'aujourd'hui, ils sont mon quotidien. Combien en ai-je déshabillé, nettoyé, touché? Juin 1916. Louise est morte. Je n'ai plus personne avec qui parler. Pourtant, que j'aimerais la questionner sur ce sentiment d'être, jour après jour, dévisagée. Henri, Étienne et Pierre se regardent, chuchotent, se tournent vers moi. Ils rient ou sourient, je ne sais même pas. Je voudrais simplement disparaître. Heureusement, de l'autre côté de la pièce, il y a André. La difficulté de croiser son regard est sûrement due au fait que, dès que je passe le pas de la porte, toutes les têtes se tournent, les fumées de cigarettes volent, les sourires s'élargissent. Ni les cris ni le sang n'arrêtent leur course dans l'air ou sur la peau. Mais les regards sont là, me scrutent. juillet 1916. Toute sa vie, la femme est l'infirmière du foyer. Pourquoi ne serait-elle pas l'infirmière de la patrie? Au début de cette guerre horrible, voilà ce que le docteur Fromager nous clamait, à nous jeunes, si jeunes étudiantes infirmières. Aujourd'hui, que reste-t-il de ces belles paroles? Serions-nous simplement le personnel sanitaire, sans âme, sans vie derrière, des machines bonnes à dorloter? Nous avons soigné, mais aussi nourri, accompagné, habillé, accueilli, dans les chambres bondées comme sur les quais de gare où nous étions frigorifiés. Nettoyer des corps que des jeunes filles de 19 ans n'auraient jamais dû avoir sous les yeux, nous l'avons fait. Et pourquoi? Mes vêtements blancs se doivent être toujours impeccables. Le soir, pourtant, ils sont tachés de sang.